Yo tout le monde! Donc on s'en trouve pour une vidéo, donc quand ça s'adresse aux garçons, hein. Donc comment, enfin, bien draguer certaines filles, hein, pas toutes, parce que il y en a qui sont, disons, entre guillemets, pas pareilles. Ouais, bah, enfin, pas bizarre, mais pas pareilles que d'autres. Du coup, ben, voilà. Donc elle m'a donné un peu ce que les garçons, que les garçons lui disent, et moi bah comment j'ai dragué les filles, enfin comment elles m'aiment maintenant. Donc bah, le premier conseil à vous donner les gens, c'est pas d'arriver directement vers elles et de dire salut bébé. Oui. Enfin, faut vous soyez quand même, faut pas non plus que la fille voit que vous la draguez. Ouais voilà, vous restez sympa, vous lui faites des compliments, mais enfin sans direct arriver faire salut bébé, enfin voilà quoi. Donc, maintenant, on va direct passer au deuxième conseil, les gars. Donc, et le deuxième conseil, c'est pas, enfin, c'est jouer avec la fille. Bon, c'est pas une raison, hein, vous lâchez pas quand même vos copains, mais disons que des fois, quand vous jouez au foot et qu'il y a votre meuf, et ben, enfin, vous allez avec elle, enfin, vous l'invitez des fois, enfin, vous restez ouais. Beaucoup de temps avec elle, quoi, pour pas qu'elle se sente pas aimée, enfin. Pour qu'elle comprenne d'un côté que vous l'aimez bien et qu'elle s'attache comme à vous. Et puis, enfin, il n'y a pas que pour draguer aussi cette vidéo. Enfin, par exemple, pour la garder aussi. Enfin, jure, si vous l'aimez, enfin, restez quand même encore avec elle, quoi. Pas que ça finisse mal. Enfin, voilà, quoi. Bref, arrête de prendre ça. Toi. Donc, l'autre conseil, c'est. Prends calme. Puis, si à un moment vous sentez que vous êtes rapproché, ben. Attendez, hein. À peu près 3 mois, vers 3 mois où vous êtes bien avec elle, voilà, je dis pas que vous lâchez vos potes. Hein. Ouais, par contre, vous pouvez du coup lui dire je t'aime, mais au bout, enfin pas tout de suite, un bisou, pas tout de suite forcément. Enfin, je t'aime tout de suite encore. Il y a certaines filles que ça va aller, d'autres non. Mais embrasser, enfin ça va pas aller tout de suite, genre, enfin tu vas pas faire salut. Enfin voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Alors. On ferait une vidéo aussi. J'ai bugué. On ferait une vidéo aussi. Comment se coiffer nous les hommes et les femmes. Donc comment se coiffer homme-femme. Donc un jour où on sera pas coiffé, en gros toi tu feras ta vidéo et moi ma vidéo et après on les mettra en lien. Ok. Bon, au pire, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on fera. On pourra marquer. Enfin, bref, on sort de vidéo. Oui, donc, bah, le. Je crois que c'est quatrième conseil. C'est quand vous êtes avec elle et qu'il y a vos. Enfin, vous invitez vos potes et elle, admettons, à la maison. N'importe où. Et ben, reste. Enfin, disons, vous jouez avec vos potes, mais disons que s'ils font une connerie, allez pas avec lui, quoi. Restez avec. Avec les femmes. Avec les potes. Et par contre. Je répète une fois, hein, c'est pour certains garçons et pour certaines filles. Hein, des fois, ça va pas marcher tout le temps. En fait, pour elles, c'est ça. Pour moi, hein, des fois, c'est ça. Des fois, c'est. Enfin, voilà, mais. Disons, voilà. Donc, on voulait surtout vous dire ça. Donc, c'est pas fini. Ça va peut-être avoir une partie 2. Donc, après se coiffer. Attends, je suis pas coiffée, moi. Ouais, c'est bon, je suis pas coiffée. Vas-y, je vais faire ma vidéo. Hein. Comment bien se coiffer, quoi. Putain. Donc bah normalement il y a déjà une vidéo qui est sortie pour conseils pour filles je crois où j'ai un peu le bordel dedans donc ils vont pas être dans ma vidéo likez commentez abonnez-vous et peace les gens.